Un alpiniste grimpe de 1290 mètres à 3798 mètres d'altitude en 8 heures. Quels sont son travail et sa puissance s'il pèse 700 newtons? Voici les données. Le temps T est de 8 heures, c'est-à-dire 8 fois 3600 secondes, donc 28 800 secondes. La hauteur H est de 3798 mètres moins 1290 mètres, donc 2508 mètres. Nous savons aussi que la force est de 700 newtons. Nous cherchons un travail que nous exprimons en joules et une puissance que nous exprimons en watts. Pour trouver le travail, nous appliquons la formule travail égale force fois déplacement. Donc ici, le travail est égal à la force F fois la hauteur. La force F, ce sont ses 700 newtons et la hauteur H, ce sont ses 2508 mètres. C'est ainsi que nous trouvons comme travail 1,755,600. Donc, le travail est de 1,755,600 joules. Pour trouver la puissance, nous appliquons la formule puissance est égale au travail accompli divisé par le temps nécessaire pour l'accomplir. Donc, P égale W sur T. Le W, le travail, vaut 1,755,600 joules et le temps T vaut 28 800 secondes. Donc, nous obtenons comme puissance à peu près 60,96 watts.